Thank you.
notre faveur qui nous a parlé quand on tourne le visage vers lui, on est rayonnant de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien quand on retourne le visage vers lui. Mais ce matin, le Seigneur a mis quelque chose que je veux partager avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux partager, c'est la reconnaissance, mon sous-thème de ce matin. La reconnaissance, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est une action de reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose ou une personne. Alléluia! C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de l'année, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Nous devons être reconnaissants. Donc ce matin, je vais parler de la reconnaissance de ce Dieu-là. Peut-être que toi, tu ne connais pas bien ce Dieu-là. Mais ce matin, je vais parler de la reconnaissance de ce Dieu-là. Et la reconnaissance de ces serviteurs que Dieu a établi. Alléluia. Je vais parler de deux choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes presque dans cette semaine. Nous allons rentrer, Dieu va nous faire grâce, nous allons rentrer à 2022. Mais est-ce que tu es reconnaissant à ce Dieu-là? Tu es reconnaissant. Peut-être que tu es affaibli, peut-être que tu voulais avoir quelque chose en 2021 que le Seigneur t'a pas donné. Tu n'as pas vu cette chose-là. Peut-être que tu es fatigué à cause de ça. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, ne sois pas comme Jérémie. Jérémie aussi, il était en train de se lamenter. Il servait l'Éternel, mais il était en train de se lamenter. C'est pour cela que vous voyez la livre de Lamentation 3, comment Jérémie, il est en train de pleurer. Mais Jérémie, il avait compris une chose, que sa bonté, il se renouvelle ça tous les jours dans ma vie. Bien-aimé, tu es dans la bonne santé. Tu es en vie pendant ces 2021. Combien qui sont morts? Combien qui sont dans les lieux difficiles? Combien qui sont dans les hôpitaux? Mais toi, tu es fait grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Simple souffle de vie. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. De la vie, bien-aimé. C'est un souffle gratuit là. Il y a des gens pour avoir cet souffle là, ils payent. Parce qu'ils sont en train de mettre les dieux partout pour qu'ils puissent avoir cet souffle. Mais toi, ce Dieu là, il est en train de renouveler cet souffle là tous les matins. Avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu là? Pourquoi seulement? Ah non, je voulais me marier. Le Seigneur n'a pas fait ça. Tu n'as pas vu que tu peux te marier en 2021, tu mets aussi en 2021. Il y a des gens aussi. Ah, je voulais avoir ça. Le Seigneur, je vois que le Seigneur ne s'occupe pas de moi. Regarde, 2021, ça vient de finir. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fatigué. Même pour aller à l'église, je ne peux pas aller à l'église parce que j'avais besoin que je puisse avoir cette chose en 2021. Mais comme je n'ai pas resté cette chose, fatigué, on dirait que ce Dieu-là ne me voit pas. Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur t'aime toujours. Bien-aimé, le Seigneur t'aime toujours. Aussi longtemps qu'il est en train de renouveler la source de vie dans ta vie, il y a toujours de l'espérance, bien-aimé. Il y a toujours de l'espérance, bien-aimé dans le Seigneur. Même si l'autre, il se marie avec 2021, là, oui, bien pour lui. Le mariage, ce n'est pas fini. Ça continue toujours. Chose en 2022 pour toi, mais tu es déjà fatigué. Ou j'avais décidé, il fallait que les gens voient ça en 2021. Comme je n'ai pas resté ça, je suis fatigué même pour aller à l'église. Je voulais me fatiguer pour prier. Non, bien-aimé, continuez. Persévérez, bien-aimé, le Seigneur. Jérémie aussi, il était en train de pleurer, comme toi et moi. Mais Jérémie, il avait compris une chose.
volonté n'est pas finie dans ma vie. Il est en train de renouveler. Aussi longtemps, il permet encore de vivre ce que je suis en train de chercher. Demain ou après demain, je me donnerai toujours. Amen. Je me donnerai Seigneur. Amen. La Bible dit, quand on retourne les regards vers le Seigneur, on est réunion de joie. Amen. Mais il y a des choses aussi que nous mettons à le Seigneur. Si tu reconnais bien ce Dieu-là, tu ne vas même pas retourner les regards avec ce Dieu-là. Ce Dieu-là, lui-même, il vient d'être cherché. Alléluia. Je connais un homme dans la Bible. Il a fait du bien à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est venu chercher cet homme. Alléluia. Ce Dieu-là, il est venu chercher cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de l'année. Fais du bien à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Fais du bien à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Fais du bien à ce Dieu-là. Toi et ta famille, toi et ta maison, fais du bien à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu pars ton travail, tu roulais, tu faisais tout ce que tu pouvais faire pendant 2021, mais le Seigneur t'a gardé. Qu'est-ce qui t'a préparé pour cette fin de l'année, bien-aimé? Fais quelque chose à ce Dieu-là. Une bonne action de grâce, bien-aimé, pour ce Dieu-là. Une bonne action de grâce pour ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là, il est merveilleux, bien-aimé. Parce que les autres, ils ne sont pas là. Nous, nous étions fort meilleurs qu'eux, mais ils ne sont pas là. Les autres, ils sont dans des lieux difficiles, dans des hôpitaux. Mais toi, tu nous as fait grâce. Reconnais la reconnaissance, bien-aimé, à ce Dieu-là. Vous savez, ce Dieu-là, si tu n'es pas reconnaissant, lui aussi ne te regarde pas. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. C'est pour cela que Jésus, quand il avait guéri les 10 lépreux, les 9 ils sont partis. Mais une seulement qui est venue vers Jésus. Jésus lui a posé la question. Où sont les autres? Ils ne sont pas guéris. Cet homme, il a dit, ah, je ne sais pas. Ils sont partis. Moi je reconnais que si ce que je suis aujourd'hui, c'est toi Jésus. C'est pour cela que je suis venu te remercier, te rendre une action de grâce. La reconnaissance, bien-aimé. Nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as préparé? Toi avec ta famille, toi avec tes enfants. Est-ce que vous avez préparé une bonne action de grâce pour ce Dieu-là? Regarde tout ce qu'il nous a fait. Regarde, il nous a protégés. Regarde avec le Covid, là, si c'est 5e vague, si c'est 6e vague. Mais toi, tu es toujours épargné. Dieu, il est toujours avec toi. Tu n'es pas le meilleur que les autres, là, qui sont atteints de ce Covid, là. Mais toi, tu es ta fait grâce. Toi et ta famille. Bien-aimé, rends la reconnaissance. Ne sois pas ingrat à la vie. Même dans le monde que nous vivons, si tu es ingrat, même si tu as quelque chose, les gens vont tourner le dos vers toi. Parce qu'ils vont dire que celui-là n'est pas reconnaissant. Dieu aussi, c'est la même chose. Parce que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit. Jésus aussi a posé la question à l'hébreu là. Où sont les autres? Les autres, ils sont partis. C'est ça le monde. Mais toi, tu as compris. Avoir la reconnaissance avec ce Dieu-là. Bien-aimé, Salomon, il y a un homme qui est l'Éternel. Il a paru vers lui, c'était Salomon. Si nous regardons dans le livre des Chroniques, 1 verset 7, Aristote. Pas pour sa beauté, pas
parce que Salomon il avait l'argent. Parce que Salomon il l'a reconnu. Salomon il ne savait même pas les œuvres qu'ils étaient en train de faire à ce Dieu-là. Que ce Dieu-là il venait encore les chercher pour le bénir. Salomon il ne savait pas. C'est pour cela que quand tu fais du bien dans la maison de l'Éternel, oublie. Dieu lui-même voit toutes choses. Il va te récompenser. Salomon, il ne savait pas. Mais le bien, si vous lisez ça, même à la maison, faute de temps, vous allez voir. Mais le bien que Salomon, il a fait, le Seigneur, il a dit, depuis que le monde est, j'ai créé ce monde, je n'ai pas vu quelqu'un qui offrir des holocaustes comme ça, comme Salomon. Il y avait les gens peut-être qui donnaient 100, 10, 20, 200, 300, 5, tout. Mais Salomon, la Bible dit que Salomon, il est venu avec 1000. Dieu a dit non, je veux faire quelque chose. Au moment que Salomon tourne les yeux vers l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui a tourné les yeux vers Salomon. À cause du bien que Salomon a fait. Fait du bien dans la maison de l'Éternel. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimé. Prépare une bonne action de grâce pour ces dieux-là. Ne vois pas de miettes, mais toi, prépare une bonne offrande pour ta famille. Tu dis non, ça, on va donner ça pour Dieu. Parce que regarde, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Ce que nous avons reçu là, en tout cas, nous allons donner ça à Dieu. Vous allez voir ce que. Seulement, il ne savait pas que Dieu il va faire quelque chose pour lui. Mais il voit, il a vu seulement ce que ce Dieu-là a fait dans la vie de son père. Parce que même David, quand il était. David disait à Salomon, connais le Dieu de ton père. Salomon, il a dit oui. Mon père, il servait ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Mon père me parlait toujours de lui. Mon père m'avait dit, connais le Dieu de moi, ton père, que j'ai servi. Salomon, il avait ça dans sa tête. C'est pour cela qu'il faut apprendre, les enfants, le Dieu que toi tu es en train de servir. L'enfant même, quand il va se grandir, il va se rappeler de ce Dieu-là. Parce que Salomon, il a compris, il a dit, ce Dieu-là, il est merveilleux. Je peux faire quelque chose. Tout ce qu'il a fait dans la vie de mon père, je veux faire quelque chose pour lui. Il est venu avec offrir tout ça à cause de son père. Parce que son père l'avait pu faire du bien dans la maison de l'Éternel. L'histoire de Salomon, bien-aimé, vous connaissez. Même si vous allez dans la maison, vous allez continuer à lire. David aussi, il avait compris. Si nous regardons un sommet de son père David, Psaume 103. David aussi, son père, il avait connu. Ça c'est David, c'est le père de Salomon. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Tout ce qui est à moi, toi-même là où tu es, réfléchissez. Tu as quoi? Parce que David il est en train de dire que tout ce qui est à moi puisse bénir le Seigneur. Bien-aimé. Que non, vraiment, je veux seulement servir l'Éternel en tapant les mains ou à venir à l'église. Non, tout. Donc, si j'ai l'argent, je veux servir l'Éternel. Si j'ai ma voiture là, ça sera pour ce Dieu-là. Si j'ai la télévision là, ça sera pour ce Dieu-là. Si j'ai quelque chose là, ça sera pour ce Dieu-là. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit, Aristote? Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun. Bien-aimé, n'oublie jamais. Année 2021, combien qui sont morts, combien ils sont dans les hôpitaux. David, il a compris ça. Mon âme, il parle de lui-même, David. Il n'a
n'oublie pas. Parce que c'est dans l'âme qui c'est là où se trouvent des sentiments, des haines, des jalousies, c'est là. Mais il a rappelé à son âme, n'oublie pas les bienfaits, de l'Éternel. Ça, c'est David qui est en train de parler. N'oublie pas, si tu es là, tu es Suisse, n'oublie pas là où tu étais en Afrique, n'oublie pas là où tu étais en train de souffrir, mon âme, souviens-toi de l'Éternel. Là où tu as pris en Afrique, il t'a ramené ici. Mais il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, ils oublient. Mais David, il avait compris ça. Mon âme, n'oublie pas. Mon âme, n'oublie pas. Il y a toujours des jalousies, la haine, des querelles. Mais cette fois-ci, n'oublie pas ce que ce Dieu-là a fait pour moi. David, il était dans la forêt. David, il sentait mauvais. Oh, qui pouvait voir David? Qu'un jour, David peut sortir de son roi. Donc David, il a dit, non, mon âme n'oublie pas. Moi, David, personne ne pouvait me regarder. Là où moi, David, j'étais dans la brousse. Là où moi, j'étais en train de souffrir. Là où moi, je sentais mauvais. Mon âme n'oublie pas. Ne sois pas ingrat. Souviens-toi. Souviens-toi. Ça, c'est David qui a dit. Parce qu'il avait compris. De David. Il a vu la main de Dieu. Mais combien nous aujourd'hui les chrétiens ont fait du bien à ce Dieu-là. Nous sommes reconnaissants à ce Dieu-là pour faire du bien à ce Dieu-là. C'est possible. Nous voulons seulement, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, garde-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire à ce Dieu-là? Nous sommes à la fin de l'année, bénis-moi le Seigneur. Ne vois pas ce que tu es en train de voir. Même si tu passes dans les moments difficiles, souviens-toi. Tu dis, j'ai la bonne santé. Non, je vais souvenir à ce Dieu. Dans la maison de Dieu. Même pour faire du bien dans la maison de Dieu, on va toujours te supplier. Fais du bien. Ma soeur, fais ça pour Dieu. Mon frère, fais ça. Parce que tu n'as pas compris encore. Si tu as compris ces choses-là, comme David, personne ne va te pousser. Bien-aimé, le fait déjà, le Seigneur, tu fais quitter en Afrique, qui t'amène ici, c'est une grâce. Tu es à la bonne santé, c'est une grâce. Combien de gens? La semaine passée, j'ai regardé la télé, j'ai vu comment les gens, ils sont en train de traverser, c'est la mer Méditerranée là, des Grèces en Turquie là pour venir là. Là où toi tu es, lui aussi, il veut venir là. Mais ils sont morts. Ils sont morts tous dans la mer. Les enfants, tout ça, moi je dis. Tout ça qui vient de l'Afrique noire. À cause de cette Europe-là. Mais toi tu es là, tu n'es même pas reconnaissant. À ce Dieu-là. Tu pouvais aussi passer là-bas. Mourir aussi comme les autres, mais dis, t'as fait grâce, tu es là. Souviens-toi de ce Dieu-là. Ne sois pas ingrat. Tu ne vois pas que non, c'est moi qui est le meilleur. Non, tu n'es pas le meilleur. C'est une grâce seulement. C'est une grâce seulement, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi de ce Dieu-là. N'oublie jamais ce que ce Dieu-là est en train de faire dans ta vie. Même dans la vie de tes enfants. Sois quand même reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur. David, il avait compris ça. C'est pour cela que David, il a vu. Non. Moi, je vais faire quelque chose pour ce Dieu-là. Mais l'Éternel a dit oui. Je suis d'accord avec toi, mais laisse ton fils. J'ai choisi ton fils Salomon. Parce que David, il avait compris. Il a dit aussi à son fils Salomon, fais-le. Parce qu'il avait compris. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, de faire du bien à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Il est en train de renouveler sa bonté tous les jours dans notre vie, bien-aimé le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais encore? Même ce que tu es en train de chercher, tu n'as pas trouvé encore. Ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini encore. Peut-être toi, tu vois que non, je suis la dernière. C'est bientôt ce que je suis en train de chercher. Il y aura
remplir. Non. Il y a toujours, ça sera toujours là. Même l'autre, il est béni aujourd'hui. Toi aussi, demain, tu seras béni. Le panier se guille encore, papa. Le panier se guille encore. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Aussi longtemps que le Seigneur dit, il est en train de te renouveler. La souffle de vie chaque matin. Il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas fini. Avec ce Dieu-là, ce n'est pas fini. Même si les supporters ont dit que non, c'est fini. Mais pour Dieu-là, ce n'est pas fini. Le match continue toujours. Le match continue toujours avec ce Dieu-là. Parce que les supporters sont là où ils vont dire, ah, c'est fini. C'est fini pour lui. Oh, pour lui-là, peut-être on t'a déjà surnommé, non. Pour lui-là, c'est fini. Pour lui-là, lui, il ne va pas se marier. Pour lui-là, pour elle, c'est fini pour elle. Elle sera comme ça. Non, il ne faut pas mettre le point. Mais c'est le mal viril, parce que ce n'est pas fini encore. Albert n'a pas sifflé encore. C'est lui-même, Dieu n'a pas sifflé encore. Mais les supporters vont dire, c'est fini, c'est fini. Elle, c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini encore. Parce que la limite, elle n'a pas sifflé encore le dernier coup de sifflet. Alléluia. Mon âme, souviens-toi. Ce matin, j'aimerais intervenir à quelqu'un qui n'oublie jamais. Le fait déjà avoir cette souffle de vie, la bonne santé que tu as, n'oublie jamais. N'oublie jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Ce Dieu-là. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Il nous fait de beaucoup de choses. Il nous épargne dans beaucoup de choses, bien-aimés. Tu peux passer le même chemin, les autres, ils ont fait l'accident, ils sont morts là-bas. Mais toi, tu passes là-bas, tu es épargné. À cause de ce Dieu-là. Parce que son amour, il est toujours là avec toi. Comme papa, il nous a dit le dimanche passé que quand l'ange de l'éternel campe tout autour de ce qu'il est. Crains. Parce que le Seigneur ne permet pas que l'ennemi puisse se réjouir à votre malheur. Parce que ça sera honte de notre Dieu. Ils vont dire, ah, oh, mais celui-là il prie. Mais celui-là il veut comme ça, regarde le malheur. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ne baisse pas les bras. Continue toujours à servir ton Dieu-là. L'Éternel se souviendra toujours de toi. Ce que tu es en train de chercher. On a encore une semaine. Peut-être avant cette semaine, tu auras ça. Peut-être en 2022. Toi, ton problème, glorifie seulement le Seigneur. Seigneur, 2021, j'avais demandé ça, mais je n'ai pas réussi. Je te remercie. La Bible dit dans toutes les circonstances, remercie le Seigneur. Voilà un bon chrétien. Je n'ai pas réussi, mais je sais. Aussi longtemps que tu me prêtes vie, tu as préparé encore quelque chose dans 2022 pour moi. C'est ça, l'attitude d'un bon chrétien. Ne désespère pas. Tu n'abandonnes pas la vie de prière. Tu n'abandonnes pas ton église parce que tu avais demandé ça en 2021. Ça n'a pas joué. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué de prier. Je suis fatigué de contribuer à l'église. Non. Quand tu fais du bien, continue toujours à faire ce bien-là. Alléluia. Amen. Soyez toujours reconnaissant avec ce Dieu-là. Deuxième chose, la reconnaissance avec les hommes. Hein, ton Dieu. Bien-aimé le Seigneur. Reste. Puissant. Toujours dans la poussière. C'est toujours David qui est en train de dire. Aujourd'hui, on parle seulement de David. Psaume 33. Verset 1. Voici, il est doux et agréable. T'as trouvé?
Ça te tourne. Alléluia. Amen. La Bible dit, cantique de David, de David, de David. Voici, oh, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ça, c'est l'unité de l'Église que David était en train de provoquer. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternel. Pour l'éternité. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est doux, agréable et bien-aimé. Comme Aaron. Bien-aimé. Notre Aaron, c'est qui? Aaron, c'est le choix de l'éternel. Alléluia. Aaron, c'est le choix de l'éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est Aaron. Abéthèse, qui est notre Aaron ici? Qui est notre Aaron ici? C'est le pasteur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si Aaron, il est en train de se plaire, Aaron, il est en train de se lamenter, comment celui-là va descendre? Alléluia. Bien-aimé, les choses spirituelles, on ne s'amuse pas avec ça. Tu viens dans ce lieu, tu ne reconnais pas Aaron, tu ignores Aaron, tu ne seras pas béni. C'est comme dans une maison. Demain ou après demain, toi aussi, tu auras une maison pour toi. Le Seigneur va te faire grâce. Mais si, toi aussi, tu es en train d'affronter les enfants, si maintenant tes enfants ne te veillent pas, comment ça sera ton attitude? La Bible dit que c'est lui-là qui descend dans la tête d'Aaron. En train de
soulevait les mains de Moïse. Parce qu'il ne voulait pas que ces mains-là, si ça perd seulement, la victoire, c'est dans le cas de l'ennemi. Comme on dit toujours que l'équipe est pour la terre. Il y a pas à voir de fight, mais tu es là, tu es Aaron, soutenez-les. Il n'est pas magicien, peut-être qu'il y a des choses que toi, peut-être, Dieu peut te souffler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais si toi, tu ne soutiens pas, tu n'es pas. Ça fait longtemps, oui. Les choses spirituelles, bien-aimées dans le Seigneur, on arrache. Il n'y a pas de connaissance, mais on arrache. Tu peux faire une surprise, ça peut toucher Aaron. Aaron va dire, oh, qu'est-ce que je vois là? Il va déclarer des choses, tu vois même toi, conforme de bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'est pas une éclair de musique ici, c'est des choses spirituelles. Oublie que tu ne connais, ça fait longtemps, non, oublie ça. Ce que Dieu a mis au devant de toi. Vois ce que Dieu a mis au devant de toi. Être reconnaissant, bien-aimé. Il a ses faiblesses. Tu trouves qu'il y a des faiblesses, tu les vois. Papa, ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. C'est ça. Un enfant de Dieu. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça dans les choses spirituelles. Parce que si nous serons seulement des hypocrites, toi tu crois que les gens ne te voient pas. L'hypocrisie que tu es en train de faire, mais Dieu te voit. Dieu te voit tout ce que tu es en train de faire. Sois un frère. Un frère. Non, moi je ne suis pas d'accord comme ça, papa. Il a des faiblesses. Moïse avait des faiblesses. De voir Moïse avec sa sève, réellement, oh, Moïse t'a fait comme ça. Mais Dieu a dit à Myriam, c'est mon serviteur, je connais ses faiblesses. Je sais pourquoi je l'ai choisi. Au moins, là, qui me dit Myriam, comment elle était malade. Alléluia! Bien-aimé, des choses spirituelles. Ce matin, moi, je viens seulement dire la vérité. Peut-être qu'une autre personne ne va pas te dire. Mais moi, ce matin, je te dis la vérité. Être seulement reconnaissant. Le monde est bien comme ça. Dieu, quand il fait des choses comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ne vois pas que ça fait longtemps. On le connaît, je mange avec lui. Non. S'il s'agit de faire du bien à cet homme, fais du bien. Ne vois pas que non, je le connais, c'est mon ami, c'est mon copain, on rigole, oui. Mais vois ce que Dieu a mis en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de Bethesda, en haut, il sait qu'il y a. Un homme que j'ai mis là, qui veille aux âmes, c'est Aaron. Alléluia. Aaron, ce n'est pas le choix. Aaron, là où il était même, il ne savait même pas que le Seigneur va le choisir. Il était dans la foule, dans l'embrouillement avec les enfants d'Israël. Mais le Seigneur lui a dit, non, c'est toi. C'est toi qui vas être là à côté de Moïse. Aaron, c'est le choix de l'éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi tu vas dire que moi, quand je parle, mais moi, mais le Seigneur a dit lui, c'est le choix de l'éternel. C'est le choix de l'éternel, tu veux ou tu ne veux pas. C'est le choix de l'éternel. Comme nous faisons des choses spirituelles, si je ne suis pas d'accord, je viens avec amour. Que voilà, ça, ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit que toute l'autorité se pose sur lui, comme Dieu fait des choses. Toute l'autorité se pose sur lui. Parce que la Bible dit Esaïe, mets un peu Esaïe là. Esaïe 44, verset 6. Je confirme la parole de mon serviteur et je l'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit à Jérusalem, elle sera habitée de ville de Juda, elles seront rebâties et je révélerai leur vie. Alléluia. Et seulement, on sera menti. Alléluia. Il a dit qu'il le confirme. Même ce qu'il a à te dire aujourd'hui, toi tu le vois, ah, Albara, bon, moi je serai béni, ça. Mais cette parole-là,
ça tient toujours. Ça va faire les effets. C'est comme une prophétie. La parole, c'est la prophétie. Il marche toujours jusqu'à ce que toi-même tu viendras pour témoigner. Ah, ce qu'elle pensait, il disait tous les jours, si moi regarde aujourd'hui, ça compris, certainement. Soit comme Habakkuk, avec l'obéissance. C'est là où tu vas voir le manager. Il confirme. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Il le confirme. Parce que l'homme de Dieu a prononcé, il a dit, voilà, le Seigneur va faire ça. Dieu a accompagné la parole là. Bien aimé, les choses de Dieu. Dieu ne fait pas des choses hasard comme ça. Donc nous devons être dans les liens que Dieu il veut que nous soyons bien. Ce n'est pas pour rien. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit que obéissez-vous. Hébreux 13, 17. Obéissez-vous. Qu'est-ce que t'as fait à mes enfants? Aaron, qu'est-ce que t'as fait?
C'est lui. L'Éternel ne parlait pas avec tous les enfants d'Israël, mais il parlait à Moïse. C'est pourquoi l'Éternel va dire, venez tous, les enfants d'Israël, je vais parler, mais il parlait à Moïse. Va dire à mon peuple, va dire, parce qu'il était le choix de l'Éternel, puis il le nous devons avoir de la reconnaissance. Tu viens dans cette église, tu ne reconnais pas Aaron, tu t'as pas compté. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Nous sommes à la fin de l'année. Pensez à notre Aaron. Parce que quand tu donnes Aaron, tu ne donnes pas Aaron, mais tu donnes à Dieu. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent, ça m'appartient à moi, Dieu. Qu'est-ce que toi, tu vas donner à Dieu? Tu ne vas rien donner. Mais quand tu donnes à Aaron, Seigneur, je ne donne pas à Aaron, mais je donne à toi. Tu donnes à Aaron. C'est comme tu as prêté à Dieu. Dieu voit les gestes que tu as fait. Parce que tu ne vas pas aller à la poste ou à Western Union. Seigneur, je t'ai envoyé 100 francs. Seigneur, non. L'or et l'argent, ça appartient à Dieu. Mais fais du bien à mes serviteurs. Il a bien dit. Avec toi, tu seras fermé. Tu vas bien parler. Tu vas. Mais. Va, Germain. Tu vas finir, Germain. Tu vas finir, Germain, pour réussir. Tu peux réussir. Va voir mon serviteur que j'ai mis là-bas. Toi-même, tu crois que toi tu vas faire tout, toi tu vas faire. Non, mais et Aaron que je viens à côté de toi. Tu ne vas pas le consulter. Après, tu veux que tu sois laissé. Non. Jésus, les fidèles. Nous devons être reconnaissants, bien aimés dans le Seigneur, avec les hommes de Dieu. Ça, c'est la vérité, bien aimés dans le Seigneur. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est la vérité. C'est la vérité, bien aimés dans le Seigneur. C'est la vérité. Nous devons avoir de la reconnaissance avec l'homme de Dieu. La Bible nous montre encore qu'un jour Jésus, il a guéri le prêtre. Le prêtre est venu auprès de Jésus pour dire, ah, merci Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Jésus a dit, non, va voir mon serviteur. Je crois que vous connaissez, je crois que c'est dans les livres de Matthieu, je crois, Matthieu 14. Matthieu, à partir du verset 1, Matthieu. Il a dit, va voir mon serviteur. C'est pourquoi Jésus pouvait prendre tout ça, oui, c'est moi Jésus qui t'a fait guérir, donne tout, tiens quoi, donne-moi ça. Mais Jésus t'a trouvé un top. Jésus l'a dit, va voir mon serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne l'importance à ses serviteurs. Donne le respect à ses serviteurs, bien-aimé. Jésus a dit, moi Jésus, je n'ai pas besoin. Mais action de grâce, action de grâce que tu as préparée, va voir Aaron. Va voir Aaron. Il a pris l'action de grâce qu'il avait, il a amené ça vers Aaron pour donner à Aaron. C'est ça que la Bible dit. Jésus avait dit que moi je n'ai pas besoin de ça, mais toi va voir Aaron. Pour donner ça, pour faire un témoignage que Jésus t'a guéri. Mais va voir Aaron là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Des choses de Dieu, c'est comme ça. Nous devons avoir de la reconnaissance à ce Dieu. Comment tu dis que tu aimes Jésus? Mais Aaron, tu n'as même pas de la
La reconnaissance avec Pharaon. Hein? Rappelons le Seigneur. Comment? Parce que tu dis que tu aimes Dieu. Mais Dieu, tu ne vois pas. Mais il y a quelqu'un qui vient te présenter la parole. Il est là avec toi. Tu ne le reconnais pas. Il n'y a pas de la reconnaissance vis-à-vis de cet homme. Comment tu veux être béni? Non. Non, tu ne le Seigneur. Nous devons avoir de la reconnaissance. Nous devons avoir de la reconnaissance, bien-aimé. La reconnaissance, bien-aimé, c'est ça qui va changer. Même là où les portes s'étaient fermées, les portes vont ouvrir à cause de la reconnaissance que tu as. Mais si tu n'es pas reconnaissant, comment tu peux avoir tout ça? Va voir à Romil Mélé le Seigneur. Je crois que nous tous, c'est cette image parce que nous avons reçu des enveloppes, des actions, des grâces, bien-aimés. Le 31 a mené tout ça dans la maison de l'Éternel. Au pied d'Aaron, que Aaron puisse déclarer des choses à des enveloppes que vous allez amener le 31 ici. Ce n'est pas donner comme ça qu'il aimait les choses de Dieu. Jésus a dit, Moïse, même à l'époque de Moïse, action de grâce, il avait. Il a dit à cet homme lépreux, va donner ton action de grâce à mon serviteur, Aaron, qui est dans les temples, toi à moi. Nous avons reçu des enveloppes. Si vous n'avez pas reçu des enveloppes, bien aimé, prenez des enveloppes qui est là derrière. Préparez une bonne action de grâce, les 31. Quand tu rentres en 2022, tu dis oui, je fais. Seigneur, ce que je fais, je sais que en 2022, ce qui était impossible en 2021, je suis sûr que Seigneur, ça sera possible pour moi en 2022. La Bible dit, ce qui est impossible, alors, il est possible à Dieu. Dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas de possibilité. Il y a toujours la possibilité. Nous devons être reconnaissants, bien-aimés, avec ce Dieu-là. Nous rentrons à 2022. Prépare-toi. Sois reconnaissant à ce Dieu-là. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois même pas. Mais quand tu aimes Aaron qui est à côté, que Dieu a mis à côté de toi, quand tu le fais du bien, tu prêtes à Dieu. Dieu va se souvenir toujours. Même Aaron, quand il va commencer à pleurer pour toi, Dieu va te délivrer toujours. Comme on dit que le malheur peut arriver. Mais quand Aaron va commencer à pleurer pour toi, Seigneur, pense pour ma fille, pense pour mon fils là. Tout ce qu'il fait, le frère, tout ce qu'il fait, cette sœur-là, pour moi, Seigneur, il va changer les choses. Parce que la Bible dit que l'Éternel est toujours derrière la parole de ses serviteurs. Quand il va commencer, jour et nuit, en train de pleurer pour toi, Dieu va faire quelque chose. Parce que tu le fais du bien. Tu le fais du bien. Donc tu le prends comme ton père. Tu dis que non. J'achète une chemise pour moi, mais j'achète encore une autre chemise pour mon père là. Dieu voit ça. Dieu, il est en train de noter ça dans les livres de souvenirs. Est-ce que toi, dans les livres de souvenirs, il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Je ne sais pas. Que Dieu peut se souvenir à toi. Il y a que dans les bonnes choses que Dieu peut te souvenir de toi.
La Bible dit que ta vie était mort. Mais les œuvres de ta vie a déclaré à cause du bien qu'il était en train de faire. Ce n'est pas Dieu qui était descendu, mais c'est l'homme de Dieu. Les gens, ils ont suivi l'homme de Dieu. Ils ont dit, cet homme, il faut que ton Dieu fasse quelque chose. Cette sœur nous fait beaucoup du bien dans l'église. Tout ce que nous mangeons là derrière, c'est lui. S'il fait quelque chose dans sa maison, il l'amène à l'église. Donc, il ne veut pas partir comme ça. Fais quelque chose pour ta vie. Prie ton Dieu. Pierre a prié son Dieu et ta vie a ressuscité. Alléluia. Il veut que les choses qui sont mortes dans ta vie puissent se ressusciter ce matin, bien aimé le Seigneur. Avoir la reconnaissance avec Aaron. Avoir la reconnaissance avec Aaron. Ne te prends pas comme une amie. Ah oui, on le connaissait, ça fait longtemps. Non, oublie ça. Vois une autre chose en lui. C'est là où tu vas voir la bénédiction, bien-aimé. Mais si tu le vois normal, toi aussi, ce sera toujours normal. Mais si tu changes ta façon de voir les choses, c'est là où tu seras béni. Amen. Alléluia. Mettez-vous debout, nous allons prier.